Il est dans ma bourse à rien. Il est juste là, tu vois. Et je te raconte pas de bêtises. Il est juste là, regarde. Lui, je le respecte parce que j'ai même sa photo dans mon portefeuille. Explique-nous un petit peu ton combat aujourd'hui. Aujourd'hui, mon combat, c'est tout simple, c'est de ne plus laisser une personne mourir dans l'indifférence, que la société prenne conscience que nous sommes des êtres humains et non des machines à produire, que nous sommes juste des hommes avec des cœurs qui battent et qu'un jour ou l'autre, ils s'arrêtent de battre le cœur et qu'on les laisse mourir comme ça dans la rue parce qu'on nous propose des logements qui n'existent pas. Ouais, je suis dans la rue, je suis pas miséreux, je suis pauvre, je suis travailleur pauvre. Je bosse en intérim, j'arrive pas à mettre les 3 sous sur le côté parce que vivre dans la rue, on croit que c'est simple, mais pas du tout. Moi, quand je vais quelque part pour boire un café, ça me coûte 1,50€ quand c'est pas plus cher. Quand je m'achète un poulet rôti, je l'achète pas à 2€ à Carrefour pour le faire à la maison, il me coûte 7€. Donc voilà, et donc ça va pas. Parce qu'on est capable de débloquer 350 milliards d'euros pour les banques. Par contre, nous sommes pas capables de débloquer 1 million d'euros pour le logement. Où est le truc ? Je ne comprends pas. Je ne comprends plus la France. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et c'est même quoi ? En bossant, on n'y arrive pas. Il y a bien un truc, là. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui cloche, là. Oui, il y en a qui ne veulent pas, mais ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec plein d'autres qui sont dans Don Quichotte. On bosse, on n'y arrive pas. C'est quoi ? J'ai 300€ de pension alimentaire. Si je vais à l'hôtel, ça me coûte 1200€ par mois. Alors ça, plus la pension alimentaire, comment je fais ? Je mange comment ? Il y a plein d'endroits, il y a des maisons énormes où il n'y a personne dedans depuis des années. Même avec un... Je suis prêt à payer l'eau, l'électricité. Ne me demandez pas de payer un loyer. Un loyer, c'est 9 mètres carrés à 480€ par mois. Un mois de loyer, 3 mois de caution, quelqu'un qui se porte garant. Comment je fais ? Comment je fais ? Eh ben voilà, je suis là. Bah ouais, désolé. Hein. Et j'espère ne pas être là l'année prochaine, ni celle d'après, parce que voilà. Comment on peut 350 milliards d'euros injectés dans les banques et laisser les gens mourir de faim dans la rue. Regarde le monde qu'il y a là. C'est pas ici à Aix, c'est partout dans toutes les villes. On fait comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Ça s'aggrave. Ça s'aggrave et le pire, c'est que les gens passent la tête haute en disant que moi ça m'arrivera pas. Le problème qu'il y a, en fait, c'est que ça arrivera à tout le monde. Un jour ou l'autre, ça c'est pas toi, ça sera ton enfant. Ça sera ton enfant, parce que une merde, ça arrive à tout le monde, quoi. Une merde, ça arrive ça peut vous arriver à vous, monsieur le caméraman, monsieur l'intervieweur, là. Ça arrive à tout le monde. Je pense que les gens ont peur. Les gens ont peur, de toute façon. On voit bien, ils ne s'arrêtent pas ici, on se demande pourquoi. Je sais pas, il n'y a pas de vaccin contre la misère. Non. Peut-être qu'on va attraper quelque chose. Non, mais les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, et peur de se retrouver dans cette situation. Et je pense que c'est l'ignorance qui fait qu'il y a beaucoup de pauvreté chez nous aujourd'hui. L'ignorance de ce qu'on est. La misère, pour vous, c'est quelque chose au quotidien ? Est-ce que c'est la pauvreté ? Alors, pourtant, c'est la journée de la misère aujourd'hui. Oui, c'est la misère aujourd'hui, parce que si je continue pas à me battre, je vais y tomber dans la misère. C'est facile, il y a les trucs... Ah oui, merci les assos, c'est super génial. Quand je commence le boulot, en intérim et tout ça, je commence à 7h30. Les assos, elles ouvrent à 9h. Donc comment je fais ? Je déjeune pas. À midi, j'ai pas le temps d'aller à l'assos à droite à gauche pour chercher à manger. Donc je mange pas. Et quand je finis, il est 5h30, 6h, je mange où ? Je mange quand ? Je suis obligé de me taper la manche avant d'aller dormir. Combien de temps je vais tenir sur le chantier ? Comment ça se fait ? Comment, il n'y a pas un truc là ? Alors on parle pas de la crise... parce que nous, ça nous regarde même pas cette crise économique, parce qu'on n'y est même pas. On touche le RMI, nous. Où est-ce qu'on va aller avec un RMI ?
Vous croyez qu'on va où hein? Vous savez, on touche le 5, le 10, on n'a plus rien. Pourquoi? Il y a des histoires d'alcool, je vous l'ai dit. Il y a des histoires, je m'emmerde, je me laisse engrainer par des potes qui boivent. C'est un cercle vicieux, vous savez. Aujourd'hui, on est face à une société qui ne comprend pas le gars qui a tombé, le gars qui a tombé. La société est devenue dure et inhumaine? Ouais, je pense. Effectivement, j'ai l'impression que la société est devenue très, très, très inhumaine parce qu'elle préfère gérer l'amplification de ses intérêts bancaires avant de venir en aide à ceux qui n'ont plus rien. Comment faire qu'il y ait une rencontre possible? Comment faire qu'il y ait une rencontre possible? Autour d'un bon repas. Autour d'un bon repas. Si vraiment on veut se faire rencontrer les gens, on organise des repas de quartier, des repas de rue, on invite les SDF qui sont dans la rue, on partage avec eux. En fait, c'est la honte de regarder les gens, le regard des gens qui pèse sur nous-mêmes. Alors il y a les problèmes d'alcoolémie, parce qu'on rentre dans des problèmes d'alcoolémie forcément dans la rue, et je dis forcément. Il y a des problèmes de drogue, il y a des problèmes de compréhension. Après, il y a les gens de quartier qui tombent sur les gens qui sont dans la rue, c'est-à-dire casser du SDF. Après, il y a autre chose, hein. C'est-à-dire au fur et à mesure des choses, on n'arrive pas à se relever. Vous savez, quand vous rentrez dans un ancrage, c'est comme une roue qui tourne. Hein. Si vous ne cassez pas une dent, ben, la roue elle continuera toujours à tourner. Il faut vraiment aider ces gens, nous, il faut nous aider. Est-ce que ça a bougé la situation depuis les promesses gouvernementales? Non. Non, ça n'a rien bougé. Au contraire, la police est plus devenue violente envers les SDF. Les SDF ont disparu. Normal, il y en a 8 qui sont morts, donc il y en a un peu moins. Donc déjà ça. Et puis en fait... La municipalité fait tout pour qu'on déloge les gens, fait tout pour que Aix-en-Provence soit la vitrine commerciale du Pays de France, soit le Champs-Élysées. Donc la pauvreté fait tâche. Bah, disons que la pauvreté fait pas tâche, c'est pas tâche. La pauvreté fait mal, la pauvreté fait douleur, la pauvreté gêne. Donc on l'expulse un peu plus loin, on la met plus loin. Dégagé. Le regard que les gens portent sur la pauvreté, il y a cette peur, est-ce qu'il y a autre chose? Bah, je ne sais pas s'il y a autre chose, il y a aussi le fait que même nous, des fois on n'est pas ouvert aux autres. Hein, parce que dans la colère, dans nos blocages émotionnels, et puis quelque part la culpabilité. Donc il y a beaucoup de gens qui n'osent pas regarder les gens quand ils font la manche ou... C'est des deux côtés qu'il y a le problème. Il n'y a pas un problème des méchants d'un côté et des gentils de l'autre. Il y a des ignorants des deux côtés. Il faut arrêter, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que les assos elles soient présentes vraiment sur le terrain. Pas simplement dire on est là pour aider les gens et tout. C'est bien, mais il faut aider les gens vraiment. Il faut être là quand on a besoin d'eux. Quand on a besoin d'eux, c'est quand moi je me réveille à 6h du matin pour aller boire un café, avant d'attaquer mon boulot et me mettre quelque chose dans le ventre. Là j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux le week-end parce que je travaille pas. Il faut que je puisse laver mes affaires et pas faire 3-4 semaines de chantier avec les mêmes fringues sur moi. Voilà ce que j'attends. Voilà ce que j'attends. Il faut vraiment aider les gens qui le méritent. Qui le méritent. On dit on laisse pas les gens lui il sert à rien, on le laisse tomber. Non, non. S'il veut s'en sortir, on l'aide. Après, il y a d'autres structures pour ceux qui veulent dire « Non, moi, ça sert à rien. » Eux, ben, tu as besoin d'un petit problème qui soit de psychiatrie. Voilà. Est-ce que parfois aussi, des fois, les gens ne savent pas forcément comment aborder un SDF? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement, dans ce quotidien, quand on croise comme ça dans la rue? Qu'est-ce qui fait le plus de mal et qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un? On n'attend pas forcément de la compassion et de la pitié, justement. Un sourire, un regard. Ça va pas plus loin. Parce que à force que les gens nous regardent pas, on a l'impression d'être transparent, de pas exister. Donc, si on n'existe pas pour celui qui est juste en face, comment on peut exister pour soi-même? C'est la journée mondiale du refus de la misère et on a voulu marquer quelque chose aujourd'hui
qui ne s'est jamais fait à Aix jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, c'était toujours à Marseille. Alors, on voulait montrer qu'à Aix aussi, il y a de la misère et que pas toute la vie est rose, même dans une ville bourgeoise comme Aix. Il y a moyen d'être acteur contre cette misère, quoi. Pour nous, elle n'est pas fatalité, même si mondialement, elle est reconnue comme telle. Quand on parle en tant que présidente d'un centre social, ce n'est pas le mot qui convient. Autrement, on n'a plus de bénévoles, on ne lutte plus ensemble, on n'avance plus ensemble. On n'est pas là à 9h30 du soir sur un trottoir. Non, la misère ne doit pas être une fatalité. Je crois qu'il faut se rassembler, que toutes les associations œuvrent. Aujourd'hui, on essaye de... Au travers de ça, en fait, on essaie de faire comprendre aux gens que la misère n'est pas quelque chose de récurrent. C'est juste quelque chose qu'il faut à tout prix résoudre. Parce que si nous sommes capables d'injecter autant de milliards d'euros dans une banque, nous sommes capables de résoudre le problème du logement. Quand la misère est là, les droits de l'homme sont bafoués, quoi. C'est l'appel du 17 octobre, ça, quand même. L'objectif, c'est qu'à la prochaine opération, action, manifestation, peu importe le terme qu'on emploiera, nous soyons 50, 100, puis 200, et que vive bien de façon présente la société civile, ce qu'elle représente, j'allais dire le tiers-État, parce que c'est comme ça que je l'entends, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la crise, la pseudo-crise financière que nous avons pour beaucoup dans les associations presque toujours connues, doit être aujourd'hui abordée. Il y a eu deux centres sociaux présents au cours du parcours. Ça veut dire que c'est aussi une nouvelle donnée, c'est que ces centres sociaux aujourd'hui s'engagent pleinement dans cette stratégie de lutte contre la misère. Oui, mais tous les centres sociaux, dans leur éthique, ont ce fer de lance qui est la lutte contre la misère. Maintenant, faut-il encore pouvoir le mettre en action, le mettre en parole et le mettre en image ? À partir d'une opération comme celle-ci, ce qui nous intéresse, c'est de capitaliser, et c'est pour ça que les images, mais surtout la parole qui circule, et la parole qui circule et qui est reprise par les gens qui doivent la prendre, et non pas confisquée obligatoirement par Janine ou par moi, qui avons un petit peu l'habitude de le faire. Mais pour que cette parole-là, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vu avec nous en venant sur ces différents lieux, puisse véritablement être la force qu'elle doit être. Voilà. Je crois que le 17 octobre, cette journée du refus de la misère, c'est ça, quoi. C'est remettre les gens debout, quoi. C'est ça le plus important. Pour nous, c'est aller à la rencontre, montrer qu'on n'est pas très différents les uns des autres, que l'on ne doit pas avoir peur des uns des autres. Il y a un travail formidable à faire. Il y a un travail immense et formidable de générosité, de simplicité. Hein, et c'est ça qui est important. Pourquoi une journée du refus de la misère ? Alors, c'est justement ça que j'essaye de faire passer aux personnes. Et cet après-midi, là, j'avais des étudiants et je leur disais, mais voilà, essayez déjà d'être... de faire attention à votre voisin de palier, à celui qui est au cours avec vous, il est peut-être dans la misère, voilà, et d'essayer d'avoir pas seulement ça sur une journée, mais sur plusieurs journées. Je vois tout de suite ce que nous pourrons mieux faire, à la fois dès demain et bien sûr pour la prochaine journée, puisque elle se prépare toute l'année. Je veux dire que la cause qui est en cours ici se décline pour les associations qui ont été réunies du matin au soir, tous les jours de l'année. Et que, de même que il est aujourd'hui absurde, et en tant que présidente Féminin Pluriel, je vais le rappeler, que la question du droit des femmes ne puisse pas faire l'objet simplement d'un battage le 8 mars, il me semble que ces questions, la misère ou le droit simplement des citoyens à réagir et à être dans un état de vigilance vis-à-vis de ce qu'il arrive et de ce qui leur arrive, doit être permanent. Alors, je n'appelle pas à une révolution permanente, mais au moins à une résistance permanente. Vous, qu'est-ce que vous attendez comme aide ? De l'hébergement. Ce qui serait bien, c'est on ne demande pas des villas, des maisons, des studios. Ça serait bien d'avoir des mobilhommes. Je m'adresse à Madame Joassin, celle qui dit que... nous, on n'est pas capable de se relever. Ben, nous, on est capable de se relever. On est capable de travailler comme tout le monde. On mange comme elle, on se lave comme elle. On aimerait bien se laver comme elle et se laver comme elle. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir des algécos, quelque chose qui puisse entamer. Vous savez,
On y va petit à petit, hein. On ne devient pas professionnel de la vie du jour au lendemain. Donc pour vous, c'est la priorité des priorités. Un logement pour pouvoir repartir. Un logement, et pour certaines personnes, pour moi personnellement, là, je parle d'un logement. Mais je parle pour certaines personnes, après c'est des soins, c'est la rue, elle est, vous savez, quand on est fatigué, c'est un logement, une douche. Vous savez, quand on est malade, on soigne. Vous savez, quand on est alcoolique, on soigne. Quand on est drogué, on soigne. Je parle pour tout le monde. Je dis, en fait, c'est, il faut savoir cibler les personnes, avoir des structures et des gens de la rue pour relever les gens de la rue. Est-ce que vous trouvez que la réponse des pouvoirs publics, de l'État, des associations sont à la hauteur du problème ? Non, les pouvoirs publics, ben justement, ils comptent peut-être trop sur les associations. Parce que s'il n'y avait pas les associations, s'il n'y avait pas le monde associatif, que ce soit ici Germain Nouveau, que ce soit Féminin Pluriel, que ce soit, voilà, que ce soit le Relais Sadona, mais tout ça, c'est des associations quand même. Bon. Le pouvoir public intervient un petit peu, mais pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un pouvoir public. Je pense que toutes les institutions sont de plus en plus fermées, donc c'est de plus en plus compliqué de rentrer dans les cases. On a sans arrêt de nouveaux textes, de nouveaux textes, de nouvelles lois qui soi-disant sont faites pour aider les gens, mais qui figent les choses et où finalement il n'y a plus aucune souplesse ou de moins en moins de souplesse dans tout ce qui existe au niveau social, et donc ce qui fait que ça accentue automatiquement la misère, puisque les gens ne rentrent plus dans les cases. Donc tous ces gens qui ne sont pas dans les cases, ça pose quand même beaucoup de questions. Je pense qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas à la mesure de l'ampleur. Ça, c'est indéniable. Je crois que tout le monde s'accorde à le dire. Maintenant, je crois que c'est un véritable choix. Mais il me semble que ce n'est pas uniquement des moyens qui proviennent de l'État. On sait très bien que là-dessus, il s'est complètement désengagé, ou du moins, se désengage de plus en plus. Mais il est nécessaire aujourd'hui que tout un chacun se mobilise pour pouvoir enrayer ce fléau. La solidarité aide à vivre. Hein. Sans la solidarité, sans le contact, bon, il n'y a plus de nation. L'homme doit... Qu'est-ce qui est important sur Terre ? C'est d'abord c'est l'homme. Si on ne tient pas compte de l'homme, on n'est rien du tout. Hein. Une ville qui ne tient pas compte de ses habitants, elle ne fait plus son travail. Don Quichotte à Aix a mené plusieurs actions. Alors justement, qu'est-ce que c'est l'état aujourd'hui de votre combat sur Aix ? Sur Aix, mon combat, ça a été de me rencontrer avec, comme vous voyez sur les articles de journaux, hein, j'ai affiché un peu partout, c'est de me retrouver contre une mairie qui a manipulé l'État, qui a manipulé sa ville, qui a manipulé son pouvoir municipal, en disant ils occupent le domaine public. Toute personne occupe le domaine public, puisque toute personne traverse le domaine public. Mais par contre, le clochard n'a pas le droit d'occuper le domaine public. Quel combat, comment on peut faire devant telle injustice ? Ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'on nous a promis plein de choses, beaucoup, plein de choses. J'ai juste à dire un truc, c'est que les promesses, elles sont vraiment tombées à l'eau. Il y a plein d'organismes. Il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé de vraiment sympathique avec nous. C'est l'organisme Germain Nouveau. Eux, vraiment, ils s'occupent de nous. Le matin, le midi. Malheureusement, pas le soir. C'est un projet qui reste à venir. Mais il faut vraiment penser aux gens. C'est la nuit que tout se passe, hein. Germain Nouveau, parce que c'est un lieu qui accueille justement des gens qui sont malheureusement dans la rue et dans la misère, surtout. Donc pour nous, c'était aussi un symbole, et de marquer cette journée sur ce lieu-là, qui est tout nouveau, à notre grand regret, parce que c'était un lieu qui se trouvait sur le centre-ville, qui a été délocalisé sur le Jas de Bouffan. Et voilà, donc c'était de marquer cette journée-là, sur ce lieu-là, symboliquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plutôt un mouvement de mettre en périphérie la misère ? On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Et malheureusement, on peut le constater aussi de cette façon. Qu'est-ce que vous en apportez en plus ? Un soutien réel, une compréhension. C'est surtout, je voudrais vraiment m'affirmer sur la compréhension. La compréhension d'une personne, savoir cibler une personne à sa juste valeur, parce qu'on a tous des valeurs.
C'est cette association, en fait, c'est un collectif qui s'appelle Germain Nouveau. Ils ont fait quelque chose pour nous qui est vraiment très favorable pour tout le monde, que ce soit pour les alcooliques, pour les malades, pour vous savez, il y a des gens en psychiatrie qui viennent. C'est pour tout le monde. Après, c'est une histoire de cibler une personne. C'est-à-dire, lui, il a ci, il a ça. On n'est pas des juges. Hein. Et personne n'est juge. C'est juste de dire, lui, il a besoin de telle structure, lui, il a besoin de telle structure. J'aimerais bien avoir une solution. Il y a longtemps que j'aurais sorti. Je dis, voilà, j'ai une baguette magique et clac, il n'y a plus de pauvreté. Mais la pauvreté n'est pas quelque chose forcément de matériel. Il y a plus de pauvreté morale, mentale, émotionnelle que de pauvreté matérielle. Hein. Parce que les gens qui sont dans la rue sont en manque de repères, en manque d'affection, en manque de tout ce qu'un être humain est en droit d'attendre. Bah, écoutez, moi je compte sur les gens et sur la capacité qu'ont les gens, y compris ceux qui sont peut-être les plus en difficulté, à se révolter, à réagir face à ce fléau. Je crois qu'on ne l'a pas vu encore arriver parce que y a parfois un abattement médiatique qui fait qu'on enraye parfois des élans des sursauts face à ce fléau-là, cette situation-là. Mais j'y crois vraiment. Je crois vraiment en qualité des personnes et à leur capacité à réagir face, encore une fois, à cette misère. C'est pas une main tendue, c'est de l'amitié. Et c'est des gens vraiment qui nous regardent, qui nous observent et qui ne font pas que nous observer, qui nous aident réellement. Il manque que le logement ici à Aix-en-Provence, il manque le logement. L'urgence, c'est de reloger les gens, c'est de leur proposer un logement, leur proposer une solution. Pas un logement, c'est pas un appartement, je veux pas un appartement, parce que le gars, bien sûr, dans un appartement, une fois qu'il a vécu 15 ans dehors, il est pas bien. Il faut qu'il y ait un suivi social, il faut qu'il y ait un suivi psychologique important, très important. D'alcoolologie, parce que moi aussi, je suis alcoolique, donc moi aussi, je le sais. Il faut qu'il y ait derrière tout un tas de choses importante pour relever les gens. Si nous relevons chaque personne qui se trouve au sol, c'est tout notre peuple que nous redressons. Si chaque personne on les relève, c'est tout notre peuple qu'on nous relevons. C'est pas une seule, c'est tout le monde. C'est d'un coup, waouh. Voilà. Pourquoi laisser un SDF par terre, crever comme lui ? Comme lui, il est mort. Là. Là. Pourquoi on l'a laissé crever comme ça ? Pourquoi il est mort comme ça dans l'indifférence, là ? C'est marqué, dans l'indifférence. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Martin Hirsch aujourd'hui, qui est passé du côté du gouvernement ? J'ai envie de dire à Martin Hirsch quelque chose qui n'est pas de son pouvoir, c'est-à-dire que c'est un sale con. Mais j'ai envie de dire surtout quelque chose à quelqu'un, c'est à Christine Boutin. Qu'elle ne sait pas s'occuper des problèmes sociaux qu'il y a en France. Il y a 6 millions de personnes qui vivent avec moins de 600 euros par mois. Ça veut dire à peu près 10% de la population. C'est tout. Il y a Martin Hirsch au gouvernement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Eh bien, sois authentique avec ce que tu dis. Voilà ce que je lui dirais, quoi. Aux électeurs, j'ai envie de leur dire, regardez, écoutez, sortez de chez vous, accueillez, tendez la main. Hein, n'ayez pas peur, ces gens-là ne vont pas vous manger, ne vont pas vous insulter. Vous êtes ici, chez vous, à Besson, comme ailleurs, vous êtes chez vous, venez, n'ayez pas peur. Ben, j'ai envie de dire qu'il faut continuer, que ce n'est pas que le 17 octobre, que c'est la journée du refus de la misère. C'est tous les jours qu'il faut se battre, qu'il faut combattre cette misère-là, à travers des petits gestes comme on l'a fait ce soir, mais aussi avec un regard de sympathie, avec attention, se mobiliser avec les associations de bénévoles et continuer à être mobilisé comme ce soir. Moi, je voudrais dire un truc à Madame Joassin, et je vais le dire. Madame Joassin, je m'appelle Michael Scotto-Daniello. Si vous voulez me recevoir, je vous reçois. Moi, je suis entièrement libre. Alors si vous avez une réponse, ça serait très bien que vous pouviez me recevoir. Parce que je parlerai au nom de tous les gars là. Je le veux. Je veux un rendez-vous avec vous, madame.
Voilà, on vous l'a demandé et vous n'avez pas voulu. Je vous parle au nom des, si vous vous rappelez, des tentes. Les Don Quichotte, quand Aix-en-Provence, parce qu'ils ont parlé de Paris, de Lyon, ça s'est arrangé pour tout le monde, mais Aix-en-Provence, apparemment, c'est une ville de bourgeois. C'est une ville pour Madame Joassin. Hein, elle construit des appartements à 11 000 mètres carrés, hein, à 11 000 mètres euros le mètre carré. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, je peux rajouter une petite phrase? Les appartements sociaux, c'est fait pour les gens qui ont des familles, des gens comme nous qui ont envie de se... Parce qu'on n'est pas foutus. Parce qu'elle, elle dit, ouais, c'est des alcooliques qui foutent le bordel. Ou alors c'est des drogués, ils foutent le bordel. Non, on ne fout pas le bordel, nous. Nous, ce qu'on veut, on ne foutrait pas le bordel, hein, si on serait... On a le travail, il nous manque un appartement, les logements sociaux que tu nous as promis, madame, ils sont où? Et arrête de promettre des choses. Fais-les, les choses. Fais-les, les choses. C'est comme si nous, on dirait, on va travailler, et puis à notre employeur, on dit à notre employeur, on va travailler, puis on ne vient pas au travail. C'est la même chose. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quand elle promet quelque chose, qu'elle le fasse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux gens d'Aix qui vous regardent? Bah, que le jour où on meurt, on part avec ce qu'on a donné, jamais avec ce qu'on a pris. Partagez, continuez à partager. Et surtout, c'est extrêmement important, posez-vous la question de savoir pourquoi, dans une ville comme Aix, qui est une ville... en tous les cas, suffisamment riche pour qu'elle pose une vraie question qui est « Pourquoi vit-on si peu ensemble dans cette ville ?» Vous aviez quelque chose à dire à Martin Hirsch, qui est au, Martin Hirsch, c'est qui, qui est au gouvernement. Celui qui s'est occupé de la fondation. Il faut qu'il se bouge le cul, hein, le garçon. Il est là pour ça, il est là pour faire les choses. Et il faut qu'il les fasse. Hein. Il dort bien, il dort à l'intérieur. Avant, il était président d'Emmaüs. Il était président d'Emmaüs, hein. Bien Emmaüs, bien. Ben, s'il a été président d'Emmaüs et là maintenant la position où il est, ben, qu'il continue, qu'il lâche pas. Parce que c'est pas normal. Je suis seul. Il y a des gens qui sont avec des gamins. Tu vois? Donc voilà. Vas-y Martin, bouge-toi. Thank you.